Allez. Petite course sur le Grand Tourisme Sport. Course quotidienne A. Avec une Porsche 911 à Fuji. Alors que je vous explique, il y a deux Porsche 911 au choix. Une qui fait une tonne 3 et l'autre une tonne 1. Je me suis dit, je vais prendre celle d'une tonne 1. C'est pas logique, ils ont la même puissance en plus. Et au final, l'autre semble aussi plutôt performante malgré qu'il fasse 200 à 250 kg de plus. Vous voyez, hein, le 911 GT3, c'est l'autre que je parle. Hein. Ah, mais elle est 2009 aussi. Peut-être pour ça. Faudrait que j'atteste quand même. Bon, on va déjà voir celle-là, comment est-ce qu'elle vaut en course. Ouf, putain, le départ. Heureusement que j'ai remis l'antipatinage parce que là. Alors, par contre, au freinage, dur, dur. Hein. Allez, qui passe deuxième. C'est pas sympa ce combo parce qu'il faut vraiment s'entraîner. Hein. Ouais, mais là je suis chaud. Hein. J'ai fait 3-4 tours, voire 5-6 tout à l'heure. Voilà. S'échapper de ceux derrière, ça c'est sûr. Il faut surtout pas rater son freinage. Putain, comme elle glisse cette voiture, c'est tout ouf. Cette voiture, j'avais déjà pris un truc ou pas, il me semble. Ça devait être la même. Hein. J'avais plutôt bien géré, j'avais eu quelques victoires. Oui, il sort large, lui. Pas de pénal. Bon, je vais essayer de prendre un spi. Ça décale, évidemment. Couper la spi, forcément. Technique ultime, il va dans l'herbe le coup. Alors là, faut pas que je me foire au freinage, c'est super chaud ici. Putain, oh, le freinage que j'ai fait, c'était magistral là, franchement. Quoi, 2 secondes? Non, mais putain, mais c'est rageant, sérieux. Il est allé tout seul sur ma côté en plus. Ah, oh, ça me saoule, sans déconner. Quelle honte. Putain, ça me gave. C'est vraiment de la merde. C'est un scandale. Salut Team F1. Ouais. Ah, ouais, d'accord. T'as l'air regardé Netflix quand t'as vu un natif. Mais écoute. Je sais pas si t'as vu la pénalité scandaleuse que je me suis pris, mais c'est une autre. Oh, ils se battent derrière. Ah, il faut s'échapper là. Putain, elle glisse de partout cette bagnole. Super dur à contrôler. Franchement, la manette c'est chaud. Oh, ils se battent. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est bon pour moi ça. Allez. Tuez-vous les gars, tuez-vous. Putain, la pénale 2 secondes qui va faire très mal, fait chier. Ah oh non, ça fait chier ça. Allez, 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 allez. Oh là 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 là, mon dieu. Pff, oh, le temps que je perds. J'ai essayé de le bloquer, ça n'a pas. Ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment les autres, putain. Secours.
Oh là là, putain. Dès que tu rates ton freinage, c'est bon. Ouais, 2 secondes de pénale, ma course elle est brisée à cause de... Pff. Au final, je méritais même pas la pénale, quoi. C'est abusé. Là, je vais me prendre 0,5 sur moi. Comment elle est dure à contrôler, cette voiture. C'est con parce que je pouvais gagner, là, en plus. Hein. Dès la première course. Attends, je lis après le virage, parce que là... Oui, c'est vraiment chelou. Des fois, tu touches à peine le mec, tu te prends une pénale, alors que des fois, tu le touches plus fort, tu te prends pas de pénale. Enfin, c'est un peu douteux, on va t'en dire. Oh, le freinage est difficile, hein, quand même. Faudrait que je teste l'autre Porsche qui est... qu'on peut prendre. Mais elle fait quand même 300 kg de plus, quasiment, donc ça m'étonne qu'elle soit dans les temps de celle-là. Enfin... C'est assez bizarre, peut-être qu'elle se manie un peu plus facilement, je sais pas. Par contre les deux là-bas... Bon, ça va mal se finir, hein. Oh là là. Crachez-vous les gars. Ah, ils sont côte à côte, incroyable. La bataille entre les deux Italiens là... Eh bien, il va rester un tour. Bon, j'ai la 3ème place assurée, ça c'est déjà pas mal. Mais moi ça me suffit pas, il faut gagner, tu sais, mec. Ah, ils vont bien se cracher devant, allez, ouais, j'ai 3 secondes de retard, c'est un peu loin quand même. En tout cas, ils sont collés l'un à l'autre, hein. Oh putain, dès que j'accélère un peu, ça part de travers et tout. Pff, là, 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 la voiture elle est trop dangereuse à conduire, quoi. Mais c'est bien les voitures comme ça parce que ça laisse place à la technique un peu. C'est pas des voitures sur des rails et tout, c'est pas mal, franchement. Hein. J'aime bien. Et en gros, au final, quand même, à la manette, je m'en sors pas trop mal. Hein. Oh là là, je freine trop tard là. Une femme qui pilote à GT Sport, d'accord, ok. Pourquoi pas. Il y en a de plus en plus, hein. Les femmes qui jouent à des jeux de voiture, ouais, ça... Putain, comment ça sert entre les deux devant, là. Oh, je crois que le rouge a gagné, hein. Le blanc, là, il a fait n'importe quoi sur la fin. Ok, bon, bah, 3ème. Pour une première course, ça, c'est pas trop mal. Je vais essayer de... Oh, je vais peut-être faire celle de 23h20, finalement. Par contre, je vais essayer l'autre voiture. Oh putain, comment c'était serré entre les deux, là. Je vais essayer bah, celle qui a gagné, du coup, la 911 GT3 997. Il y en a pas mal, hein, finalement, des 911 GT3 97. 997. Elle est plus récente que l'autre, mais elle est plus lourde aussi. Donc je me dis, moi je prends celle de 95, mais peut-être qu'au final, le poids ne joue pas tant que ça dans ce jeu. Putain, ils ont fini à moins d'un dixième. Oh là là, incroyable. G29, d'accord. Ok. Bah écoute, je vais rester en direct sur Twitch ou pire. Je vais tester direct l'autre voiture. Ouais, 3ème, c'est pas trop mal pour un début. Mais peut mieux faire quand même, hein, la pénalité de 10 secondes reste en travers de la gorge. C'est chiant. Alors du coup, tu vois le poids là? Ouais, c'est plus de 200 kg de différence quand même entre les deux. Alors certes, celle-là elle a 3 chevaux de plus, mais bon, 200 kg de plus aussi quoi, 230.
Bon, je vais quand même la tester, on va voir. J'ai envie de comparer les deux au niveau comportement et tout. Du coup, là, je vais faire qualif contre la montre directement. Si ça veut bien se lancer. Voilà, c'est bon. Toujours les musiques d'ascenseur, un peu, dans ce jeu. Temps de chargement, c'est long, quand même. Putain. Alors, tu vois, il n'y a pas de réglage, encore une fois. Tu peux rien faire, quoi. Tout est grisé, quoi. Bon, eh ben, on va tester cette voiture. J'ai fait 52,7 en qualif avec l'autre. Déjà, c'est pas le même bruit. Elle a l'air... pas taude, ouais, mais moins vive, enfin, moins piégeuse peut-être aussi. Car plus récente finalement. J'ai pas regardé la VMAX par contre, j'aurais peut-être dû. Par rapport à l'autre. Comparer les deux. On va voir si le point de freinage est le même à peu près. Oh putain, on le sent le point quand même, hein. Ouais, mais la accélération c'est collé au bitume quoi, par contre là... ça glisse pas quoi. Oh putain, ça tourne mal, au secours. Je vais lire dans la ligne droite parce que là je... En fait elle est plus sous-vireuse. Oh là, ça y est, ça commence les pénalités de merde là. Elle s'ouvre plus, celle-là, elle est moins piégeuse en fait, elle est plus prévisible. Mais elle est plus lourde. C'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la loose, mais bon, d'un côté, c'est pas plus mal pour ceux qui savent pas régler quoi. Maintenant t'arrives, t'as juste à poser tes roues et tu roules quoi. T'as pas de prendre la tête avec les réglages. Ouais, elle glisse un peu quand même. Hein. Enfin, le sous-virage par contre c'est chou. J'aime bien Fuji. Hein. C'est un circuit que j'ai beaucoup fait sur les jeux de F1 aussi. Ah, ça va bien me casser l'élan pour le tour aussi. Putain. Franchement, c'est abusé. On va en faire un peu plus tard, c'est pas grave. Pour compenser. Bon, qu'est-ce que t'as mieux lieu le chat là? C'est bon. Ouais, elle est vraiment beaucoup plus prévisible que l'autre, c'est un truc de ouf quoi. L'autre elle part en survirage, à peine tu touches le volant, à peine tu tournes, ça part en survirage en accélérant quoi. Celle-là est beaucoup plus simple à piloter quand même. C'est pour ça qu'ils ont laissé choisir les deux, je pense.
Allez, j'ai encore un tour après, et puis je couperai le stream. Et je relancerai juste après pour que ça scinde en deux la vidéo, quoi. Le re-upload après sur l'autre chaîne. 53 sixièmes, c'est un peu moins bien, c'est 9 dixièmes de moins que l'autre quand même. Bon, après là, j'ai moins de vitesse aussi. Là, je suis déjà 4 dixièmes de mieux, c'est pas mal. Il est où mon fantôme, moi, je le vois pas. Bizarre. Pour battre le temps de l'autre. Hein. Mais je crois que j'ai fait un putain de tour sur l'autre au final. Hein. Je sais pas si j'arriverai à le refaire quoi. Ah ouais, non mais le frein de parking, ouais, c'est étonnant. Je m'attendais à ce qu'il y ait un P moi quand même. Ah bah non, y'a pas. Bon j'ai laissé, c'était drôle. Ouais. J'aurais pu couper le montage mais je m'en fous. Allez, est-ce qu'on va faire mieux? Ah ouais, 6 dixièmes c'est pas mal là. Sixième et demi, mais ça va pas suffire pour améliorer, dommage. Enfin, pour améliorer l'autre temps, du coup. 52,9. Ouais, c'est pas mal, quand même, hein. Je vais essayer de bien freiner, là. Le point de freinage, ici, est plus facile à trouver que l'autre. C'est juste après le bitume, là. Alors peut-être que cette voiture est plus lente, mais on est peut-être plus constant avec aussi. Et pour la course, du coup, c'est pas mal d'être constant quand même. Je vais la prendre pour la course qui arrive, et puis on verra ce que ça donne, ma foi. Bon allez, je coupe le stream et je relance dans quelques secondes.